Mesdames et messieurs, salut, bon après-midi. Merci de nous rejoindre. Nous sommes de retour ce jour pour une toute nouvelle aventure. Et c'est quand vous êtes de plus en plus nombreux que nous sommes davantage aussi très contents. Parce que chaque jour qui passe, puisqu'on est sur satellite désormais, mesdames et messieurs, on nous fait signe que vous êtes de plus en plus nombreux et diversifiés à travers le monde. On nous regarde dans plus de 50 pays, bien évidemment. Nous sommes de retour en ce week-end de la célébration, de la commémoration de la fête de l'unité nationale. Nous allons vous offrir une émission exceptionnelle. Vous avez à côté de moi quelqu'un qui n'est pas une star de télévision, ni une star de la musique, ni de la mode. Mais c'est simplement, mesdames et messieurs, quelqu'un qui essaye de construire, de participer à la construction de ce vaste chantier national en sa manière, mais dans le domaine de la pensée. C'est un docteur en histoire et peut-être aussi en sciences politiques. Tout à fait. C'est le prince Bele Bele du Cameroun, Kouma Ndoumbé III. Bienvenue à l'émission. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes bien évidemment le fondateur de Afrique à venir, une maison de culture basée au Cameroun et qui fait un peu concurrence, pas concurrence, mais qui apporte une contribution à l'évolution culturelle et intellectuelle des Camerounais comparativement à ce que d'autres qui sont un peu des étrangers de ce pays font. Il faut bien qu'il y ait un centre culturel camerounais au Cameroun. Oui. Et je crois que la Fondation Afrique Avenir International, que j'ai eu le plaisir de créer en 1985, essaye de jouer ce rôle. Mais comme vous voyez, nous ne sommes pas seulement au Cameroun. Le siège est ici à Douala, à Bonaberry. Oui. Mais entre-temps, Afrique Avenir a une succursale très importante à Berlin, en Allemagne. Oui. Une succursale à Windhoek, en Namibie. Nous avons une succursale maintenant qui vient de naître au Bénin et nous avons une succursale à Vienne, en Autriche. Ouais. Donc ça, c'était un phénomène aussi et c'était un défi pour qu'un centre qui a été créé ici chez nous, au Cameroun, puisse avoir des antennes à l'extérieur comme les autres, eux, ils ont leurs antennes chez nous. Et il attire beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. D'ailleurs, on va voir au cours de cette émission que beaucoup d'étrangers, beaucoup d'étudiants qui nous viennent de l'étranger viennent faire leurs recherches dans le centre, dans la Fondation Afrique à venir. Mesdames et messieurs, on a le temps, on a 2h30 pour découvrir, pour entrer dans la demeure princière à Bonaberry. Nous avons été accueillis là-bas l'autre jour, pendant que nous préparions cette émission. C'était vraiment des moments très heureux pour nous. On était très contents d'entrer dans votre demeure. Merci. D'être reçu comme des privilégiés. Il n'est pas seul à l'émission puisque nous sommes sur un plateau de partage. Nous allons recevoir sur ce plateau d'autres invités qui tourneront sur ce plateau. D'ailleurs, vous verrez Claude Ndam qui viendra nous passer un petit coucou ici. Il vient justement il vient accompagner Henri Fotso qui projette son premier film ici à Douala demain, donc il sera là. Et puis je vous permets de rencontrer une fois encore, et ça fait un peu plus de 20 ans que vous ne l'avez pas vu en télévision. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il va faire la télévision privée, oui, depuis qu'il y a la libéralisation au Cameroun. Tamné Pios, tiens bon, on l'a connu il y a un peu plus de 20 ans maintenant, on vous le met en télévision ce jour, et bien d'autres découvertes. Prince, si on est prêt, on peut passer à table. Et je vais vous proposer une musique qui rentre un peu dans votre ligne éditoriale, c'est-à-dire de la Renaissance africaine. Ouais. C'est une jeune fille, Baka, qui promeut la culture de sa région, dans la région de l'Est. Elle s'appelle Georgette. Je vous propose de la regarder, chers téléspectateurs. Merci à notre partenaire de la décoration, Molué Design. D'ailleurs, vous aurez ses coordonnées tout à l'heure à l'écran. On va s'asseoir avec le prince. Merci beaucoup. Merci.
s'agit bien évidemment de Georgette Hadji. C'est une nouvelle qui présente son visage pour la première fois dans l'oseraille musicale. Elle vient de l'Est Cameroun. Vous savez quand même que dans cette région, il y a une énorme culture là-bas, de grandes choses à faire découvrir au monde, mais qui n'ont pas toujours la chance d'être mises en lumière. Et celle-là, je pense qu'à travers sa musique, on pourra pénétrer davantage l'univers de la culture de l'Est du pays. J'espère que vous avez aimé cette musique. Félicitations de l'avoir découverte et de la montrer aux téléspectateurs. Oui, c'est le travail que nous faisons un peu ici, avec l'aide d'un grand artiste camerounais qui nous l'a donné, qui nous a donné cette vidéo. Okay. C'est Prince Eyango qui travaille en ce moment dans la recherche des musiques de ce genre. Le Cameroun a énormément de talent. Oui. Énormément. Et vous savez de quoi vous parlez, puisque vous y travaillez depuis longtemps. Ouais. Alors, je voudrais qu'on vous présente un peu au public, à nos millions de téléspectateurs qui vous découvrent, parce que vous restez toujours dans votre demeure princière à écrire, si vous n'êtes pas à l'université pour enseigner, on ne parle pas beaucoup de vous. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire, docteur en études germaniques et professeur en habilitation allemande en sciences politiques. C'est exact. Oui. C'est donc exact. Vous êtes professeur de rang magistral dans ces deux spécialités, en histoire, en sciences politiques. Et en études germaniques. Oui. Vous êtes coopté comme membre à titre individuel, et ça m'a beaucoup intéressé, coopté comme membre à titre individuel du Comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en 1975. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai fait ma thèse de doctorat sur Hitler, parce que ça m'intéressait beaucoup, de savoir qu'est-ce que Hitler aurait fait aux Africains s'il avait gagné la guerre. Ouais. Et j'ai donc fait ma thèse de doctorat sur la politique africaine de Hitler. Et curieusement, à l'issue de cette thèse, le jour de la soutenance, c'était à l'université de Lyon 2, le jury m'a donné deux doctorat en même temps, le même jour, à l'issue de ça. Vous avez été tellement brillant. Et c'est donc là que le professeur Lyon, qui était le président du jury, a parlé de ces travaux-là au Comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et pratiquement deux mois après, j'ai été coopté à titre individuel, puisque normalement, pour siéger au Comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, il faut un comité national, comme la France, les États-Unis, l'Union soviétique. Ils ont des comités nationaux et c'est les présidents de ces comités qui siégeaient donc au Comité international. Et que fait ce comité? Et moi, on m'a parachuté donc. J'étais le seul noir, très jeune d'ailleurs, à l'époque. Mais ce que fait ce comité, c'est-à-dire, il étudie qu'est-ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette Deuxième Guerre mondiale? Et comment est-ce qu'elle s'est déroulée dans tous les pays du monde? Et quelles ont été les conséquences de cette Deuxième Guerre mondiale? Parce que c'est quand même un conflit immense, où il y a eu tellement de morts et tellement de peines, tellement d'argent dépensé. Donc il y a un comité permanent qui travaille sur cette question. L'Afrique en a souffert. L'Afrique? Oh là là! L'Afrique a toujours été utilisée par les autres pour leurs besoins. Et même la Deuxième Guerre mondiale, les Africains ont été utilisés pour aller, en réalité, se battre pour les autres. Mais la Première Guerre mondiale, déjà, nous sommes allés nous battre pour nos patrons, qui étaient, c'est-à-dire nos colonisateurs. La Deuxième Guerre mondiale, on est encore allés se battre pour eux, pour qu'ils soient encore plus puissants, etc. Et bon, les conséquences ont été un peu différentes, puisque quand on a vu tout ce qui s'est passé, les Africains ont dit ras-le-bol, il faut maintenant aller lutter pour nous-mêmes, pour nos propres indépendances. Mais ce n'est pas effectif, cette lutte pour nous-mêmes. On en parle encore jusqu'à aujourd'hui. On a célébré les cinquantenaires des États africains, quelques États africains francophones l'année dernière, il y a deux ans, oui. C'est ça. Et le débat était encore frais. Moi, j'ai toujours été très clair. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Quand, au niveau scientifique,
je découvre quelque chose, je le dis clairement, même si ça ne plaît pas. J'ai toujours dit que 1960 a été un échec lamentable pour les indépendances africaines. Et que ce soit le Cameroun, vous pouvez prendre n'importe quel pays, surtout francophone, l'échec a été vraiment un très grand d'ailleurs, échec. On va le voir tout à l'heure avant la fin de cette émission, dans cet ouvrage que vous avez commis justement pendant qu'on célébrait ses cinquantenaires, 50 ans déjà, quand ce sera enfin votre indépendance là. Oui, parce que j'ai dit 50 ans, déjà, ça fait déjà 50 ans. Oui. Bon, mais est-ce que nous sommes indépendants? Quand on voit encore ce qui s'est passé en Libye, que Sarkozy décide qu'il faut que ce monsieur Kadhafi parte et on l'assassine, c'est devant tout le monde. Bon, alors, et ça, c'est pas il y a 50 ans, c'est pas il y a 30 ans, c'est aujourd'hui. Donc, la question fondamentale, c'est est-ce que les Africains sont arrivés à mettre au pouvoir des leaders politiques qui sont autonomes et qui agissent pour l'intérêt de leur peuple et de leur peuple uniquement. Alors, c'est cette lutte que nous n'avons pas encore gagnée. Et ça, ce n'est pas le problème individuel de tel ou tel ministre, de tel ou tel président. Non, c'est la question fondamentale. Est-ce que nous avons, ou alors quand est-ce que nous avons gagné la lutte pour être nous-mêmes? Quand est-ce que nous allons gagner la lutte pour mettre des gens au pouvoir qui sont redevables à nous, à nos populations, et non pas à des firmes, à des sociétés étrangères ou à des gouvernements étrangers? Et je crois que c'est ça un peu. Mais cette question va être résolue. On en redira un petit mot là. Ce siècle-ci verra la réponse à cette vous question. Vous êtes sûr et certain? Ah, c'est sûr. Le 21e siècle... Oui, grâce à la jeunesse et à l'Afrique, comme vous l'avez non, dit vous-même. Ce siècle-ci, même les prophéties l'ont dit, le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Parce que pour qu'il soit finalement à l'Afrique, il faut orienter et encadrer la jeunesse qui va porter tout ça, c'est ce que vous dites. De toute façon, vous savez... nous sommes en 2012, n'est-ce pas? En 1900, on était combien? On était à peine 150 millions. Aujourd'hui, nous sommes déjà 1 milliard. Et nous serons en 2060, c'est pas loin, hein? En 2060, nous serons 2,7 milliards d'habitants en Afrique. En Afrique, oui. Et pratiquement, la jeunesse du monde sera essentiellement basée en Afrique. Donc, c'est pourquoi je la jeunesse qui constituera en ce moment-là les trois quarts de la population. Absolument, à peu près. Absolument. Donc, moi, pour ça, je ne me fais pas de soucis. Parce que les Africains ont suffisamment de génie. Les Africains ont démontré dans l'histoire de l'humanité qu'ils sont de grands génies. Sauf que maintenant, ces génies, avec les structures politiques qu'on nous a imposées depuis l'esclavage et surtout la colonisation, on étouffe ces génies pour que ces génies ne puissent... Mais le temps est arrivé. Notre temps est arrivé et vous allez voir comment ces génies africains vont éclore. Quand vous dites à un Africain, est-ce que tu sais que les feux de signalisation, que c'est un Africain qui a inventé ça, un noir. On ne croit pas. Est-ce que la lampe électrique, on ne croit pas que l'ascenseur, ce sont des noirs qui ont inventé. On ne vous croit pas. C'est pour ça que moi j'écris avec ces documents, avec des références, pour que on ne vous manque plus que celui qui veut savoir sache. On a le temps, on va revenir pleinement là-dessus. J'aurais quand même rappelé dans la suite de votre présentation, que vous avez enseigné à l'Université de Lyon 2 et à l'Université catholique de Lyon de 1975 en 1979. Et puis vous avez enseigné à l'Université libre de Berlin de 1989 en 2001. Mais après Lyon, j'ai intégré l'université de Yaoundé. De Yaoundé 1. Qu'on appelle maintenant Yaoundé 1. J'ai commencé à Yaoundé 1 en octobre 1979. Parce que moi, quand j'ai eu mes deux doctorats en France, je n'avais pas l'intention de rester en France. J'ai voulu rentrer. Comme ce n'est pas toujours évident, le pays est difficile, etc. Sinon, j'aurais commencé tout de suite en 1975 à Yaoundé. Mais j'ai commencé en 1979.
Et voilà. Et vous êtes encore, vous y professez encore? Ben oui, mais je viens quand même de prendre ma retraite. Ouais. Mais j'ai quand même mes étudiants de maîtrise, et mes étudiants de master 2 et de doctorat que je continue à encadrer. Qui viennent vous suivre à la fondation Bonaberry. Oui. Et vous avez créé donc, parlant de fondation, cette fondation depuis 1985, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la fondation Afrique à venir, avec des sections à Berlin, Windhoek, à Vienne. Alors, on nous fait savoir dans votre biographie que vous êtes écrivain, un écrivain qui utilise la langue française, allemande et le douala, parfois l'anglais aussi. Mais vous savez... le wendo aussi, oui. J'ai vu dans Masomanda, là. Oui. Non, moi-même, j'ai fait traduire. J'ai fait le conte Masomanda, là, c'est un conte douala, c'est l'épopée du peuple Sawa. Et j'ai publié donc ce livre-là, mais je l'ai fait traduire en français et en néondo. Pour que un néondo puisse lire un conte douala dans sa langue néondo. Tout à fait. Directement, parce que... La promotion de nos langues maternelles est nécessaire. Mais quand on vous a, c'est-à-dire volé, quand on vous a enlevé votre langue, on vous a tué. Quand je vois des jeunes aujourd'hui, là, on lui demande, tu parles quoi? Ah, français. Ah bon? Et tu parles quoi encore? Anglais. C'est tout? Un peu d'espagnol. Ou un peu d'allemand. C'est tout? Oui, c'est tout. Oui. Donc, tu n'as pas de langue? Ah, mon patois. Ça va être difficile avec cette multiplicité de mariages mixtes de nos jours, Prince. Qu'est-ce qui va être difficile? De revaloriser nos langues actuellement. Les Chinois vous ont dit qu'ils parlent français parce qu'ils ont plusieurs langues chinoises. Il n'y a pas que le chinois mandarin. En Chine, vous avez plusieurs langues chinoises. Ils vous ont dit que parce qu'ils ont donc ça, maintenant ils ont pris l'anglais. Ça prendra du temps encore. C'est les Africains qui sont, c'est-à-dire que dans un trou noir, et ils ne sont même pas conscients qu'on les a mis enfoncés dans un trou noir. Parlons justement de ces questions de langue, parce qu'on est en week-end de la célébration de l'unité nationale. Est-ce que les langues, ces langues sont un facteur d'unité nationale ou finalement c'est une différence qui ne nous permettra pas de nous réunir facilement? Wonderful. Avant, c'était comment? Moi, j'étais enfant ici avant l'indépendance. Et moi, je peux vous dire qu'avant l'indépendance, il n'y avait pas le tribalisme là qu'il y a là maintenant. Avant l'indépendance, quand j'ai vu un douala, on l'a affecté à Ebolova. Mais après, au plus tard, 2 ans, il parlait boulou. Il avait des chants, la femme là-bas et les enfants parlaient boulou. Oui. C'était tout à fait normal. Le Bamileke qui venait ici parler douala. C'est après cette indépendance-là, où j'ai dit que c'était un échec, qu'on vous a tribalisé, on vous a divisé, etc. On vous fait croire maintenant que sans le français, sans l'anglais, vous êtes perdu. Il faut quand même arrêter ça. Moi, je dis avec force, et quand j'enseigne à Berlin, vous croyez que j'enseigne en français? En quelle langue? À Berlin. Quand j'enseigne les sciences politiques à Berlin, j'enseigne les sciences politiques en allemand. Non, oui, bien sûr. Alors, et les Allemands, ce sont les voisins des Français. Pourquoi à 6000 km de Paris, il faut que je parle français? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand j'enseigne à Lyon, est-ce que j'enseigne en Douala? En Douala? En français, bien sûr. Alors, il faut arrêter. D'accord. Nos langues, parce que votre question, en gros, veut dire nous avons tellement de langues que ça peut nous diviser. Mais c'est la langue qui vous unit. C'est l'Africain, dans son essence, n'est pas un monolingue. L'Africain, dans son essence, est un multilingue. Qui parle plusieurs langues. Plusieurs langues. L'Africain parle plusieurs langues. Vous-même qui êtes assis là, M. Lanké, essayez d'imaginer combien d'Africains vous connaissez qui ne parlent qu'une seule langue. Tandis qu'en Europe, c'est normal qu'on ne parle qu'une seule langue. C'est eux qui ont imposé ce monolinguisme et qui nous apporte ça ici. Mais par définition, nous sommes des plurilingues, des multilingues. Je ne sais pas de quelle région vous êtes, du Cameroun, vous êtes de quelle région? Du centre. Vous êtes du centre. Maintenant, vous venez à Douala. Hein? Et vous dites à une fille, Nathan Diwa,
Mais vraiment, vous les verrez. C'est mieux que si vous lui dites que je t'aime. Parce que là, vous avez dit ça dans sa langue et ça touche le cœur. D'accord. Donc, alors, je voudrais, on a le temps, prof, on va développer tout ça tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai remarqué pendant qu'on préparait cette émission que la Fondation Afrique Avenir, que vous avez initiée, reçoit beaucoup de jeunes et qui viennent effectuer des recherches. Là, je n'ai pas mentionné que vous avez été pendant une dizaine d'années, le président de l'Association nationale des écrivains du Cameroun, et puis vice-président de l'Association de l'Afrique centrale. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est que dans l'actualité également de la Fondation, il y a une jeune dame qui est doctorante en sociologie que nous avons rencontrée en France, à l'université de Francfort, qui a été là pendant 5 semaines. Je voudrais qu'on l'écoute un peu, qu'elle fasse un peu son témoignage. Élise Pape, de votre rencontre, comment elle s'est sentie. Élise Pape, Élise Pape, dans ce témoignage. Vous atterrissez à la Fondation Afrique Avenir, mais qui est-ce qui vous a conduit à la Fondation? Alors en fait, il y a eu plusieurs biais, je dirais. D'une part, j'avais rencontré un professeur à l'Université de Strasbourg qui a étudié au Cameroun, donc qui est lui-même camerounais. Et donc je lui avais parlé de mes recherches et lui m'avait dit « Ah, il y a un prince, il a fondé un centre ». Enfin, il m'avait, bon, c'est un petit peu vague ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit « Ah, ça existe sur Internet ». Enfin, on avait un petit peu regardé. Donc ça, c'était la première fois que j'avais entendu parler d'Afrique Avenir. Et après, surtout, j'avais entendu parler d'une conférence qui avait lieu à Francfort sur le Main, donc en Allemagne, en septembre dernier, qui portait sur les relations entre le Cameroun et l'Allemagne. Donc, comme je m'intéressais déjà à cette thématique, je m'étais tout de suite inscrite. J'étais allée à la conférence, et à la conférence, il y avait donc le prince Kouman Doumbé III, voilà, qui était intervenu, qui avait fait une présentation, voilà, que j'avais trouvée très intéressante. Et donc, à l'issue de la conférence, je lui avais demandé si c'était possible éventuellement de venir faire un séjour de recherche ici. Vous avez fait 5 semaines au Cameroun. Est-ce que, à la Fondation Avenir, est-ce que les recherches effectuées au sein de cette fondation vous ont comblé? Vous avez trouvé tous les documents nécessaires? Ce qui a vraiment permis d'avancer vite dans le travail, c'est que d'une part, la fondation est très fournie en livres, donc en matériaux bibliographiques. Donc j'ai pu aller tout de suite à l'essentiel. J'ai pas dû d'abord faire un travail de sélection bibliographique. On m'a tout de suite dirigée vers les ouvrages vraiment pertinents et importants. Donc ça, c'est une chose qui a vraiment énormément facilité le travail. Et l'autre aspect, c'est que moi, en fait, je venais pour pouvoir travailler dans le futur éventuellement sur un projet qui a été mené dans les années 80. Qui a été dirigé par le prince Kouman Doumbé III en collaboration avec d'autres professeurs dans lequel ils avaient interrogé des vieux sages camerounais sur l'occupation allemande. Et donc ces cassettes pour l'instant n'ont pas encore été analysées, exploitées. Et donc moi, mon idée, c'était d'essayer de trouver des descendants de ces personnes pour essayer de voir comment la transmission s'effectue dans la durée, la transmission de la mémoire. C'est ça qui m'intéressait. Et ici, j'ai pu avancer vraiment très très vite, puisque le prince a un réseau très très intense, un réseau de connaissances à Bonabiri, mais aussi de manière plus large à Douala et bon, au Cameroun. Mais en particulier à Bonabiri, enfin, avec les chefs traditionnels de différents villages. Et le fait d'être ici, ça m'a permis de tout de suite être, si vous voulez, aidé et dirigé par quelqu'un qui connaît les personnes vers lesquelles je peux aller. Donc ça évidemment énormément facilité la tâche. Pour moi, le but, ça serait d'essayer d'accéder, ça serait d'essayer de,
de comprendre une culture africaine qui est propre, c'est-à-dire qui est propre à l'Afrique, et essayer de décentrer, parce que ça, c'est le but du courant des études postcoloniales, c'est d'essayer de décentrer le regard du centre occidental pour essayer de faire de l'Afrique le centre que les gens ne se réfèrent pas toujours à l'Occident, mais se réfèrent d'abord à eux-mêmes. Et ça, si jamais mon projet pouvait concourir à ça, je serais vraiment très très heureuse. Vous êtes au Cameroun, c'est vrai que vous repartez ce vendredi soir sur la France, bien sûr. Et vous repartez au moment où le Cameroun célèbre la 40e édition de la fête nationale de l'unité. Est-ce que vous avez constaté que les Camerounais, avec un peu plus de 250 ethnies, sont unis? Ça, c'est une question à laquelle je peux difficilement répondre, parce que 5 semaines, c'est trop court. Et nous, on n'a pas cette question-là qui se pose en France et en Allemagne, des différentes ethnies, des différentes langues. Et c'est une question qui m'intéresse énormément. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des langues différentes aussi. Donc ça a peut-être des effets, je ne sais pas, peut-être de différence. Mais peut-être pas. Et peut-être justement pas. Peut-être que justement le fait de parler des langues différentes, ce n'est pas un facteur de différence. Et ça serait extrêmement intéressant à savoir, hein, puisque peut-être qu'on pourrait montrer que les différences, c'est pas quelque chose qui sépare, hein, et, mais au contraire que quelque chose qui peut être fédérateur. Donc ça serait une question que j'aimerais bien approfondir dans un séjour plus long, mais c'est vrai que là, dans un séjour aussi court, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question. Élise Pape, doctorante en sociologie, d'ailleurs on savait qu'elle a été touchée par vous, parce que sur cette dernière question, justement, elle pense que cette différence de langue au Cameroun peut être un facteur fédérateur pour les Camerounais. Et c'est plutôt un point positif pour nous. Mais c'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire. Mmh. Vous êtes riche et on vous fait comprendre que vous êtes pauvre. Mais c'est vous qui... Cette richesse-là, nous avons dans les deux sens... Le Cameroun est l'un des pays au monde... Mmh. Avec la plus grande diversité linguistique. Et qui dit diversité linguistique, dit diversité culturelle. Et qui dit diversité, dit richesse. Ce sont des richesses. Et plus vous parlez de langue, plus vous êtes riche. Comment vous avez senti Élise Pape dans ses recherches? Oui, alors justement, Élise Pape, elle venait de terminer son doctorat à Strasbourg et à Francfort, puisqu'elle a fait son doctorat dans 2 universités. Ce qui l'intéressait, c'est la question de la mémoire. Bon, et comme elle a compris qu'au Cameroun, j'avais mis dans les années 80 une équipe pluridisciplinaire pour interroger tous les vieux qui étaient encore vivants. On l'a vu, vous avez encore des cassettes. Oui, oui. Beaucoup de cassettes. Tous les vieux, de Mora à Kribi, qui avaient vécu l'époque allemande. Et c'était des gens qui avaient entre 90 et 110 ans. À peu près. On les a tous interrogés et nous avons donc gardé ces cassettes. Et comme elle a, lors de ma conférence à Francfort, j'en avais parlé, elle est donc venue et elle a auditionné un certain nombre de cassettes et elle était très surprise. Et surtout langue nationale. Mm-hmm. Alors, vous imaginez ces gens qui ont vécu l'époque coloniale allemande. Maintenant, vous allez les interroger en français. Ils vont vous dire quoi? Il fallait les interroger dans leur langue. Dans leur langue. Hein? Le Tchang, vous l'interrogez en Yemba. Mm. Vous allez à Garoua, vous interrogez Modibo Bassoro en Fufulde. Mm. Et là, vous avez vraiment, il vous parle vraiment. Et maintenant, vous pouvez faire les traductions en français, en anglais, etc., pour qu'une plus grande masse puisse comprendre. Alors, elle est tombée dans un programme que vous avez initié depuis ce mois de mai. Avec pour thème reconstitution de la mémoire, échange et dialogue de l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme à la renaissance de l'Afrique. Alors là, le programme est tellement chargé, il y a des films, des expositions, lectures publiques, contre conférences et débats. Et Kozeri, d'ailleurs, elle a participé à une conférence et débat voilà. Sur cette thématique la semaine dernière. C'était mardi dernier. Oui, c'est que vous voyez, le drame du Cameroun, c'est quoi? Du Cameroun et de beaucoup d'Africains. C'est que les Africains vivent avec une mémoire effacée.
Et quand tu as effacé la mémoire de quelqu'un, cette personne ne peut aller nulle part. Mmh. Quand on vous enlève votre mémoire là maintenant, vous allez où? Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc c'est pour ça que la Fondation Afrique Avenir, c'est pour cela que je l'ai créée. Nous avons, c'est-à-dire qu'il faut reconstituer la mémoire. Mmh. Et vous avez vu que maintenant, vous avez des frères et sœurs qui viennent des États-Unis, qui viennent du Brésil, qui viennent de Haïti, et qui ont essayé de voir d'où ils sortent. Le test ADN a pu prouver qu'ils sont des Camerounais. Mmh. Et ils viennent. Donc ils avaient déjà perdu la mémoire, ils ne pouvaient même plus savoir d'où ils venaient. Il a fallu maintenant les tests ADN modernes. D'ailleurs, vous nous avez permis de rencontrer une de ces Cam-Américains. Voilà, Regina Ribeiro oui. du Brésil, du Brésil oui. qui est danseuse, chorégraphe et chanteuse. Mmh. Et qui était déjà ici au mois de mai, au mois de janvier. Et qui est revenu. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une urgence, et je ne sais pas comment le répéter pour qu'au plus haut niveau des républiques africaines, on le comprenne. L'urgence, c'est la reconstitution de la mémoire. De la mémoire. Et quand tu as reconstitué la mémoire de quelqu'un, il sait où il doit aller. Et on va... Il sait où il doit aller, et puis vous ne pouvez plus le tromper facilement. Mmh. Mmh. Tel que celui qui n'a pas de mémoire. Qui a perdu sa mémoire. Mais vous, il devient pantin entre les mains de celui qui, lui, a gardé sa mémoire. Le programme est chargé, Prince. On va le dérouler au fil du temps. Je voudrais quand même, avant de vous faire, de vous proposer cette rencontre avec cet artiste qui est là, Tamné Pios, je voudrais quand même qu'on reparcourt votre fondation en images, je demande qu'à la régie nous fasse voir ces images-là de la fondation. On va aller de la fondation à la demeure princière. Là, sont-elles là. Là, c'est la fondation à Bonabiri. Pour ceux qui connaissent Douala, on est en face de l'hôtel Royal Palace. À l'ancienne route, oui. Oui. Depuis 1985, c'est sur le même endroit. Absolument, absolument. Nous avons construit. Nous avons construit un bâtiment pour ne pas être dépendant. Et là, c'est Charles qui est votre coordonnateur, Charles Ecolo, qui est notre guide à l'occasion. Celui que vous connaissez, c'est Jean-Yves Loud, oui. Avec qui j'ai écrit un livre, Dialogue en noir et blanc, oui. Un français. Et là, vous avez l'ambassadeur d'Allemagne qui fait une visite avec les chefs. Vous voyez le prince René Bell, qui est un habitué de la fondation d'ailleurs. Vous voyez qui Proco, ça c'est son livre, Chapelle, oui. Païenne. Puisque nous avons aussi une maison d'édition. Nous éditons et nous représentons nos auteurs dans les foires internationales. Mmh. Ça, c'est mon grand-père, Locke Priso. D'ailleurs, vous étiez... Le père de mon père, que vous voyez là, avec le tangue. Oui, vous étiez au dernier salon du livre à Paris. À Paris, oui, bien sûr. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Nous sommes toujours dans les salons du livre. Là, nous sommes à la galerie. Oui, ça, c'est la galerie d'art et de l'artisanat avec librairie. Génie africain. Mmh. Génie africain parce que les Africains ont du génie. Ouais. Il faut montrer ce génie-là. Il faut montrer ce génie. Il faut le soutenir. Et ça, c'est un volet commercial. Voilà, ça, c'est un volet commercial. Ouais. Mais de tout ce qui est génie africain. On est à l'entrée de la chefferie, de la demeure princière, et nous sommes à l'intérieur. Et ce n'est pas une sorte de désacralisation, on permet quand même aux téléspectateurs qui ont l'habitude de passer devant, devant l'ADN d'entrée et de visiter votre demeure. Vous êtes là avec plusieurs personnes ici dans cette maison. Bien sûr, c'est l'Afrique, bien sûr. Enfin, nous sommes arrivés alors au moment où il y avait que vous. Oui, il n'y avait pas que moi. Vous n'êtes pas entré dans la maison. Les gens ne sortent pas pour saluer les étrangers. Mais ça dépend pour qui ces étrangers-là sont venus. Alors là, on se dit vraiment, vous avez une cour arrière énorme. Et c'est là que beaucoup de choses se passent, très souvent. Mais oui, mais vous savez, malheureusement, on a beaucoup perdu... au niveau de notre tradition, ben nous gardons. Mmh. Ça, c'est un endroit qui existe avant ma naissance, oui. Et où, quand on dit les vraies choses doivent se faire pour nos populations, que ce soit... D'ailleurs, pour... vous nous avez dit qu'avant le développement du quartier de Douala, et donc du quartier Bonabiri,
cette maison était la dernière maison lorsqu'on venait de la ville. Ah oui, oui. Et quand on venait de l'ouest, nous étions la dernière maison. Quand on venait donc de l'ouest, oui. Et je me rappelle très bien quand j'étais petit, hein, les camions de bananes qui arrivaient, parce que c'est Bounambéry qui était le port, hein, il n'y avait pas encore le pont. Oui. Et quand un camion tombait en panne, il marchait et c'était chez nous qui trouvait la première maison. Mm-hmm. Et j'ai toujours raconté ça à mon père, Ala Djandjababo Miondo. va le chercher, et les miondo et la sardine, etc. Alors, même la nuit, Napula, miondo. Et ça, c'est ça que nous on n'avait pas cette histoire de tribalisme. Mm-hmm. Le gars qui vient, il est bamileke, il est ceci, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, on vous a créé des cellules. Vous êtes bamileke, vous êtes Ewondo, vous êtes Boulou. Mais vraiment, il faut arrêter. J'ai vu sur votre biographie, et je l'ai, c'est comme cela d'ailleurs que je vous ai appelé tout à l'heure, Prince Bele Bele du Cameroun, Kouma Ndoumbé III. C'est exact, c'est exact. Pourquoi du Cameroun? Ben, d'abord, Bele Bele, vous savez, même les Camerounais ne connaissent pas leur histoire. Mm. On parle par exemple, quand on dit Prince Bel, oui. Par exemple, le Prince René, on dit Prince Bel. Mais on ne sait pas que c'est un enfant de Bounambéry. Parce que Belle veut dire Belle. Mm-hmm. Et Bounambéry veut dire Bona, Belle. Mm-hmm. Donc, c'est la même famille stricte. Alors, comme nous avons deux trônes royaux. Oui. Entre parenthèses, oui. Bounambéry, c'était Ikori Town. Oui, avant la colonisation, oui. C'était Ikori Town. Mais le vrai nom Douala, c'est Bounambéry. Mm-hmm. Les gens de Belle. Et c'est un enfant de Belé qui règne, qui est parti régner à Bounanjo, oui. Jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour ça que les Belé ont deux trônes. Un là-bas, des deux côtés du fleuve. Mm-hmm. Bon, moi je suis le prince Belé Belé. Vous voyez, vous avez vu tout à l'heure là mon grand-père, Lok Priso. Dans les livres d'école, on parle encore de Lok Priso. Koumambapé, oui. Celui qui a refusé de signer le traité Germano-Cameroun du 12 juillet 1884, parce que lui, il a dit que lui, ces histoires-là, que les autres viennent régner chez lui, il ne veut pas ça. Ouais. Bon, c'est le père de mon père et je continue à faire ce qu'il faisait. D'accord. Je vous propose d'aller sur la scène là-bas. Nous avons un valeureux Camerounais, puisque ce jour, tout tombe bien. On est au cœur de l'intégration nationale et on touche un peu à tous les rythmes ce jour. Tamné Pios, on s'en souvient, 1994, première mouture de cette chanson. Wow. Et il l'a retravaillé. Wow. Ça, c'est la deuxième mouture qu'il nous propose, un extrait de l'album Méchant qu'il vient de concocter pour ses fans, pour une sorte de retour, un peu, on va dire ça comme ça. Tamné Pios sur la scène. Ce sont les sept noms en haut qui prennent
X au pluriel. J'ai eu mon bac avec mention. Je filais de la licence au doctorat comme un avion supersonique. Aujourd'hui on m'appelle docteur damné. Très sûr de moi, je suis allé à la recherche d'un travail. La fonction publique m'a refusé, le secteur privé m'a refusé. Le travail avait disparu comme un poussin à l'arrivée de l'épervier. Il y a deux fois je suis très fâché, je suis triste, 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 je vais craquer. Autant de pions tiens bon, autant de pions tiens bon. Tu ne tiens pas bon, tu es fini. Autant de pions tiens bon, autant de pions tiens bon, autant de pions tiens bon. Tu ne tiens pas bon, tu es fichu. Sans pitié, ils ont cassé les prix du cacao en 5. Ils ont cassé les prix du café en 6. Check.
Tiens bon. Tiens bon. Il faut tenir bon. Tamne Pios. Oui, tu as ta place ici. Bon après-midi. Bon après-midi. Comment ça va bien? C'est bien. Bon après-midi, docteur. Alors, tu es de retour. Je disais tout à l'heure aux téléspectateurs qu'après 1994, tiens bon, de retour, mais revue et corrigée, une version, j'imagine, qui a plu au docteur. Ah ouais. Mais il faut tenir bon. C'est la leçon qu'il faut donner. Il ne faut pas désespérer, surtout à l'heure actuelle. Oui. Je vous ai dit que le 21e siècle est le siècle de l'Afrique. Tout à mais fait. Il faut tenir bon. Encore que c'est quelqu'un qui est un commercial, c'est quelqu'un qui a fait ses études supérieures en action commerciale à Lyon en France. Donc, il a du profil, mais qui a préféré retourner, puisque le travail a commencé à être rare, comme un poussin. À l'arrivée de l'épervier. Il s'est retrouvé en Banga chez lui. Pour planter du cacao, du café. Mais c'est un très bon exemple. Oui. Et tu t'en sors bien. Je peux prendre le risque de dire que je m'en sors. Parce que le souci du Camerounais, d'abord, ce que nous souhaitons, c'est que chacun se batte pour ne plus dépendre des autres. Voilà. Déjà, quand tu es déjà indépendant, tu as déjà fait beaucoup pour la nation. Oui. Voilà. J'ai la chance, je ne dépends plus de quelqu'un. Et je crois que c'est un petit pas. Oui. Alors, ce que je voudrais relever pour ceux qui te découvrent ce jour, c'est que sur le plan discographique, il y a qu'on te rencontre sur la scène musicale camerounaise dès les années 1990, avec le premier album Pied Sop, oui. Qui n'a pas malheureusement rencontré son public. Son public, oui. Et 94, donc 4 ans plus tard, Tiens Bon. Tiens Bon. Quand je préparais cette émission, il y a un jeune collègue qui me fait savoir que mais Tiens Bon, c'est une chanson que j'écoutais quand je faisais le CP. Oui, puisque ça fait près de... Le temps est vite passé, oui. Ça fait 18 ans, je crois. On demande, il est toujours là, il est en ville, en Europe, il est au Cameroun, comment ça s'est passé. Et maintenant, 2012, beaucoup de temps, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, tu es revenu avec Les Méchants. Alors parle-nous de tout ce temps que tu as passé sans sortir d'album. Comment tu as travaillé? Comment tu t'es senti en Banga, loin d'une ville, de la grande ville, de la grande métropole Douala? Voilà, déjà, avant de continuer, si tu peux me permettre là, mon feu père disait que c'est Dieu qui fixe les vrais rendez-vous. Mm-hmm. Les vrais rendez-vous ne sont pas fixés par les hommes, mais par Dieu. Exactement. Si ma mémoire est exacte, c'est le docteur qui a écrit « Hitler voulait l'Afrique ». C'est lui qui a écrit Hitler. Hitler voulait l'Afrique. C'est pas... Si on prend la voiture tout de suite, on va à Mbanga, ce livre volumineux est au chevet de mon lit. Wow. Et j'étais toujours étonné par l'esthétique, parce que déjà par la couverture, ça me faisait penser au truc de Voltaire, tout ça, comme les Blancs savent faire. Et aujourd'hui, on est sur un plateau de rencontre. Et aujourd'hui, un plateau de rencontre. Wow. C'est un souvenir très agréable pour moi. Oh là là, merci beaucoup. Voilà, merci. Donc, c'est ce livre-là. Hitler voulait l'Afrique. Hitler voulait l'Afrique. Je suis devenu membre du comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale à titre individuel. Ouais. Voilà. Ça, beaucoup de, beaucoup de recherches. Vous avez ce livre dans... en Banga? Je suis en Banga. Ça alors. Jusqu'à maintenant. Bon, revenons maintenant à Banga. Vous savez, la fin du XXe siècle, comme on est avec. Une imminente personnalité en histoire a connu beaucoup de bouleversements. Nous, en près de 30 ans, on a vu ce que nos parents n'ont pas vu en 50 ans. Donc quand j'ai fait le premier disque dont le titre phare était Pied Sop, un rock'n'roll, entre temps 90 ou quoi, le mur de Berlin est tombé en 89. Le mur de Berlin est tombé en 89 et c'était un très grand bouleversement. Qu'il fallait que chacun prenne le bal au bon. Ça veut dire que le communisme mourait définitivement. Et maintenant, le monde devenait définitivement à chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça tombait au même moment que les droits d'auteur tombaient aussi dans l'obscurité qui continue jusqu'aujourd'hui. Dans nos pays africains. Dans nos pays africains. La piraterie prenait son envol. Ouais. Et puis maintenant, il y avait l'équation suivante. Que puis-je faire pour continuer à rester dans ma passion? Parce que d'abord, ce que nous faisons, nous allons aimer ça. Quand je chante comme ça,
les uns trouvent comme le travail, mais moi je trouve comme une distraction, comme un plaisir, même comme c'est un travail. Donc on doit aimer ce qu'on fait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fallait faire pour continuer à faire la musique dans ce pays sans être un exilé économique? Parce que le risque est grand que nous allons tous partir. Qu'est-ce que je pourrais faire dans ce pays pour ne pas me faire entretenir par une femme riche? Parce que avec tout ce qui se passe là, chaque artiste maintenant vend ses talents autrement. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas me compromettre politiquement pour un plat de riz? C'est là que j'ai compris qu'il fallait diversifier mes activités, mettre les dons que j'ai eus en exergue. Ainsi, je suis rentré à la racine. Mon producteur qui avait produit le premier disque à Paris, il a même voulu que je m'installe à Douala pour qu'on fasse de cesse que les transactions de véhicules d'occasion participent. Je lui ai fait part que je voulais rentrer au village. Je suis rentré au village et je me suis rendu compte de quelque chose. Parce que quand on est ici à Douala, on croit qu'on est le nombril du Cameroun. L'arrière-pays bouge et on perd énormément d'opportunités. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour quelqu'un comme moi, qui est fait même dans des débits de boissons dans les débuts, pour le même chiffre d'affaires qu'à Douala, il faut avoir un capital de 3 millions. En Bangui, il faut un capital de 500 000 francs. Et parce que la concurrence est rude, ici, c'est pas facile de décoller ici. Bon, je suis rentré là, j'ai vu les choses autrement. Et avec un peu de marketing que j'ai fait, j'ai compris que désormais aussi, il faut qu'un artiste soit en partenariat avec des entreprises pour s'en sortir. Pour ceux qui ont vu les affiches de mon récent album partout là en ville, c'est une société partenaire qui a fait des affiches pour le gagnant-gagnant. C'est pour ça que j'ai insisté sur les études en marketing. La ville de Mbangaï, par exemple, la seule ville du Cameroun en dehors de Douala et Yaoundé qui fait la fête de la musique le 21 juin, chaque année. Nous fêtons ça en Mbangaï chaque année, vraiment avec enthousiasme. Alors, ça se prépare déjà. Grâce aux partenaires que j'ai eu. J'ai compris qu'il fallait travailler avec des partenaires. Et il y avait un autre événement, toujours. Après la sortie de ce disque en 90, la Femania était vraiment à la mode au Cameroun. Parce qu'actuellement, je ne dis pas que c'est fini, mais ça bat un peu de l'aile. Donc, la Femania, tout le monde était tenté de dire, mais Tam Nepios, you speak English, you speak French, what are you doing in Banga? Let us go to the front. You are going to have too much money. Et tu as dit, je reste ici. J'ai dit que je reste ici. Alors, et en restant là-bas, déjà, les autorités sur place, ils ont profité de mon image d'artiste pour faire certaines doléances quelque part. Les planteurs ont profité de mon image d'artiste pour faire des doléances quelque part. Donc, je me suis senti utile. D'accord. Alors, tu reviens, parce qu'on va aller au pas de course là. Tu reviens avec cet album. Tu as retouché l'enregistrement au niveau de Douala ou tu l'as enregistré en Banga? Ok. L'enregistrement, j'ai fait... Cet enregistrement fait près de 5 ans. Oui, parce que sur le plan orchestration, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Quand je suis revenu déjà, parce que chaque chose, pour faire chaque œuvre, il faut avoir un positionnement. Quels étaient mes objectifs? Mes objectifs, c'était qu'un message tel que Tiens Bon, il faut qu'une autre génération s'approprie ce message. Parce que ceux qui ont 18 ans maintenant avaient un an quand je sortais Tiens Bon. Et puis maintenant, si tu veux avancer ici au Cameroun maintenant, il faut faire avec la jeunesse. Donc, c'est ainsi que maintenant, j'ai pris des beats en batterie, des beats festives qui accompagnent la jeunesse. Je suis même rentré aux sources du Makossa. Vous m'avez vu chanter en lingala avec quelqu'un, j'ai même invité des Saïrois dans le truc. Et entre-temps, tu as appris également à danser. On t'a vu. C'est bon à savoir. Parce que entre-temps, toujours... Pour contourner le misérabilisme qu'il y avait dans le monde musical, je me suis battu pour faire un petit orchestre live. Cet orchestre m'a permis, depuis 18 ans, je n'ai pas fait le disque, mais sincèrement, j'ai continué à chanter. Ça vous a permis de tenir de garder la main. De garder la main. Oui. Les mariages, les funérailles, et à danser. Je vais te proposer de nous permettre de revenir en Banga, passer un week-end avec toi, peut-être... avec nos caméras, filmer un peu ton actualité là-bas, comment tu vis avec ton orchestre, comment tu travailles un peu, parce que ce sera pas évident qu'on décortique tout cela. Je voudrais... Mais moi, j'aimerais bien
qu'ils viennent aussi animer à la Fondation Afrique à venir. Oui. Nous avons une salle bon, qui n'est pas très grande, mais qui a quand même 150 places, oui. Et où on fait beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Aussi bien la musique, le théâtre, etc. Donc, vraiment, c'est une belle rencontre. C'est Dieu qui fixe les vrais rendez-vous. Oui, oui. À la fin, avant de partir, je prendrai votre carte de visite. Oui, oui. On verra ce qu'on pourrait faire. Absolument. Ensemble. D'accord, parce que vous avez compris. Je vous donne déjà ça. Merci déjà. Le génie africain. À partir de cela, voilà. Vous pouvez jouer. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de thèmes à développer que j'aimerais venir me ressourcer auprès de lui. Merci d'être passé. Je voudrais te raccompagner avec la vidéo du titre qui porte... cet album, Les Méchants. Ouais, une vidéo qui a été tournée comme un film parce qu'il faut le voir jusqu'à la fin. On va regarder donc tout de suite. Et je tiens à dire que c'est Ndoumbé le Morgué qui a joué le rôle du méchant dedans. Ah bon que vous connaissez. Oui. D'accord, on regarde la vidéo. Merci d'être passé. Merci. Les hommes sont devenus cruels, égoïstes et gonflés d'orgueil. Ah. Les hommes sont devenus ingrats, infidèles, insensibles et traîtres. Amen. Les méchants, les vicieux, les méchants deviennent. Que maintenant il y a trop de maladies. Nous nous plaignons que maintenant il y a trop de malédictions. Ce n'est qu'un début. Si nous ne changeons pas, des choses terribles vont se passer. Ce n'est qu'un début. Si nous ne changeons pas, des choses terribles vont se passer. Majesté Nenka me racontait comment se passaient les choses à leur temps. Avant tu pouvais être témoin de ta sœur, être témoin de ton ami. Avant tu pouvais être témoin de ton frère, être témoin de ton voisin. Et de nos jours il faut se méfier. Il y a trop d'hommes caméléons, l'hypocrisie. L'hypocrisie, l'hypocrisie, l'hypocrisie est à la mode. L'hypocrisie, l'hypocrisie, l'hypocrisie est à la mode. Hey.